out my channel right here. Every time I make videos in English, for those that are already subscribers on my channel, I make videos in English. But each time I make a video in English, there's always one or two people that comment in my inbox to ask me, can you translate the video? What were you talking about? They are interested, they are subscribers, but they don't really understand when I make a video in English. And I've realized that most of my subscribers understand French anyway. They are not necessarily Francophones, but they understand French. So today I'm going to try to make a video in French. C'est parti. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Et voilà, aujourd'hui on va parler de la pandémie qu'on connaît tous, qui est la coronavirus dans nos jours. Bon, je vais pas commencer là où la virus a commencé, qui est en Chine. Je vais commencer là où on est maintenant. Maintenant, dans beaucoup de pays, les activités sont en pause. C'est-à-dire plus l'école, plus de l'église, plus de la mosquée, et plus de mariages. En fait, là où il y a beaucoup de personnes, il y a même des gens qui regardent le football, il y a plus de matchs de football. C'est sérieux. Et en fait, la première fois lorsque ce virus a entré le monde en Chine, beaucoup de gens ne prenaient pas ce virus en sérieux. C'est ça qui a fait que ce virus se propage vite. Et parce que aussi ça prend 14 jours pour se manifester. Donc les gens voyageaient normalement dans une partie des pays qui est Chine à des autres continents. Et c'est ça qui a fait ce virus se propager. Et maintenant on parle de beaucoup de morts. En Chine, là où le virus a commencé, qui s'appelle Wuhan, une ville qui s'appelle Wuhan, il y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas à cause de ce virus. Mais finalement, ils ont fini par maîtriser ce virus. Et voilà, maintenant, ils ont dit qu'il n'y a plus les cas de coronavirus. Donc, il ne faut pas penser qu'ils vont fabriquer la vaccination bientôt pour ce virus. Ça prend trop de temps pour fabriquer la vaccination. D'abord, il doit d'abord comprendre le virus. Il doit d'abord commencer à faire des tests. Et ça prend trop de temps. Et si on attend pour fabriquer la vaccination qui prend parfois 2 ou 3 ans, ça va finir tout le monde. Il y a en fait des gens qui disent que voilà, si on ne va pas les contrôler, ça peut toucher 60% de la population entière au monde. Donc, c'est vraiment grave. Donc, maintenant, on est en quarantaine. En fait, je vais souligner ce mot. Quarantaine, ce n'est pas un autre mot pour prison. Quarantaine, ce n'est pas un autre mot pour prison. En fait, c'est maintenant que j'ai réalisé que beaucoup de personnes n'aiment pas chez eux. Ils aiment se promener, se balader, se bouger partout. En fait, oui, c'est bon pour les exercices. Et en fait, parfois, on a des raisons pour lesquelles on sort. Mais en fait, cette virus est grave. Beaucoup de choses sont en pause. Donc, on doit aussi les prendre en sérieux. On doit rester chez nous. Les hôpitaux, mes amis, sont remplis. En Italie, il y a beaucoup de cas aussi qui sont morts. En fait, c'est juste hier ou bien avant-hier, il y a 800 personnes qui sont mortes dans un jour. Ça, c'est de tragédie, c'est de catastrophe. Donc, tout ça, c'est à cause de ne pas suivre des conseils. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes à la maison, si vous n'avez pas assez des aliments pour s'alimenter et tout ça, vous pouvez acheter en avance et rester à l'intérieur de la maison, s'il vous plaît. Cette virus, ça va finir. Si vous voyez un bon côté des choses, c'est la première fois que le monde entier, on vient ensemble pour lutter contre un virus. Oui, on est le traitement, on est le traitement de cette virus. On ne doit pas espérer d'une vaccin qui va honorer le traitement. Si on laissait chacun chez soi, cette virus va terminer. Je vous promets. Et ça, c'est décourageant quand les médecins quittent l'hôpital et il est en train de conduire pour aller chez lui et il trouve les gens. Marche normalement dans les roues. Il prend pas les virus en sérieux, ils sont partout. Et lui, il travaille matin, midi, soir, nuit, juste pour gérer les situations. C'est vraiment décourageant. Donc les gars, essayez de rester chez vous. Et c'est la mathématique est simple, les gars. Imagine si les cas infectés diminuent, c'est-à-dire les nouveaux cas infectés diminuent, et les cas confirmés, les gens qui ont déjà le coronavirus sont là et commencent à se guérir, à vraiment guérir, ça va, les cas va terminer. Il y aura personne pour infecter la population et on va router ce virus. Ça va finir, ça va terminer. Vous voyez, donc il faut regarder des choses comme ça.
et restez chez vous. Et il y a plein de choses à faire chez vous. Vous pouvez regarder la télé, vous pouvez étudier si vous êtes un étudiant, vous pouvez être créatif à la maison, vous pouvez faire des vidéo calls si vous des appels vidéo, si vous avez des amis avec qui vous voulez parler. Il y a plein de choses à faire, mais il faut pas sauter. Il faut pas sauter. Vous voyez, ça va finir. Si vous avez une question, quand est-ce que ce virus va finir? Bientôt. Vous êtes de traitement. Si vous restez chez vous, ce virus va terminer. Donc, voilà, restez chez vous. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Peace out. Merci. Hello guys, welcome to the segment IQ.